I'm good. Okay, folks, are we ready to get started? Patrick? Jean? Okay, folks, we're back for the last conversation of the day in Research and Conversation in the Faculty of Arts and Science live here at Concordia's Fourth Space. Thank you so much for joining us here in the space and on the Zoom and on the live stream. Over to you, Patrick. Thank you. Thanks again to the Fourth Space for hosting us. We are on hour six of our continuous interviews and conversations with various scholars in the Faculty of Arts and Science. Cette entrevue se passera, donc cette entrevue, c'est pas vrai, cette conversation se passera en français. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Warren. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Philippe. Je vais commencer par te présenter, je te tutoie, parce que dans la vie, on se tutoie. On se connaît bien. On fera pas comme si. Jean-Philippe, tu es professeur titulaire donc, au département de sociologie et d'anthropologie, ici à Concordia. Tu as obtenu donc des diplômes de l'Université Laval, l'Université de Montréal et l'École normale supérieure à Paris. Fontenay-Saint-Cloud, c'était Fontenay? Fontenay-Saint-Cloud, c'était, oui. C'était les deux à l'époque? C'était à Fontenay. Oui, OK. Donc, c'était la branche des sciences sociales. Saint-Cloud est en plus du côté de la philosophie. Oui. Tu es particulièrement intéressé à l'histoire des sciences sociales, des idées, des mouvements sociaux, des sociétés autochtones et de l'Église catholique, oui. un peu tout finalement qui constitue le Québec historique et actuel. Tu as réalisé donc des études importantes sur le sociologue Fernand Dumont, le peintre Paul-Émile Bourdua, l'écrivain Honoré Beaugrand et ainsi de suite, j'y reviendrai. Élu donc membre de la Société royale du Canada en 2018. Et au fait, tu es à Concordia depuis combien d'années? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. J'ai fait mon 20e anniversaire. Ah. J'ai soufflé mes 20 bougies en septembre de cette année. Et tu as eu ton stylo? Non, pas encore. Je l'attends, par exemple. J'ai que les hautes instances universitaires m'apportent mon cadeau pour célébrer cette longévité. Oui. Et lorsque je suis arrivé à Concordia, donc il y a 20 ans, quelques-uns de mes collègues pensaient que j'atterrirais ailleurs dans une autre université, oui. Probablement québécoise. Et je leur ai dit, vous ne comprenez peut-être pas maintenant pourquoi je suis à Concordia, mais dans 20 ans, vous allez vous demander pourquoi j'ai hésité d'être à Concordia. Ah. C'était le pari que je leur avais fait, puis le pari, je pense, a été tenu. Mais tout à fait. Au cours de ces 20 ans, Jean-Philippe a publié 15 monographies. Donc, à chaque fois que je le vois à la blague, je lui dis, bon, tu as un nouveau livre cette année. Je lui ai posé la question tout à l'heure, donc combien de livres depuis 2020? Il y en avait un, effectivement, depuis 2020. Donc, le dernier livre est « L'amour comme un roman » avec Marie-Pierre Luneau, donc auprès de l'Université de Montréal. Je ne fais pas de farce, c'est vrai, c'est carrément un livre par année. Depuis 1998, des livres qui ont été primés par le prix du gouverneur général, je pense à Honoré Beaugrand, par exemple, La plume et l'épée, finaliste au prix des libraires du Québec pour Le piège de la liberté, Les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux, et finaliste aussi au prix du gouverneur général pour cet ouvrage. À l'époque où on commençait à s'intéresser à la question des Uber dans la société québécoise, Jean-Philippe a écrit l'histoire du taxi à Montréal pour nous aider à comprendre ce qui se passait. Ton instinct pour ces sujets de recherche me semble assez juste. Et c'est comme si tu anticipes à tout coup les différentes tendances, les différentes discussions que nous aurons. D'une part, donc, j'ai une question. Je vais commencer avec une seule question, parce qu'évidemment, ça se bouscule dans ma tête. Et j'étais pour apporter quelques ouvrages de la maison, mais il y en avait trop. C'était trop lourd à porter ton corpus. Mais donc, premièrement, comment arrives-tu
à écrire aussi régulièrement, de manière aussi consistante, sur une si grande variété de sujets, avec un regard à la fois sociologique, mais aussi historique. Donc, il y a une part de littéraire chez toi, et il y a une part d'historien, et une part de sociologue. Donc, comment est-ce que tu arrives à produire ce volume-là? Je ne pense pas qu'il y ait de potion magique ou de recette spéciale pour arriver à produire beaucoup. Il y en a qui le font dans la discipline avec des horaires très stricts où ils se réservent certains moments de la semaine pour pouvoir se mettre à leur ordinateur. Il y en a d'autres qui font ça, c'est plutôt mon cas, dans le désordre, entre deux obligations, soit professionnelles ou soit familiales. Mm-hmm. Mais la difficulté, c'est toujours d'arriver à pouvoir conserver une vue d'ensemble de plusieurs sujets à la fois, sans jamais pouvoir se revendiquer d'une spécialité. Parce que je ne suis pas un spécialiste du taxi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du roman sentimental, je ne suis pas un spécialiste de la pensée dumontienne. Et donc, à chaque fois, l'exercice auquel je me prête, c'est de découvrir quelque chose de neuf, de pouvoir avoir un propos qui est enrichissant ou stimulant pour pouvoir nourrir la conversation autour du sujet qui est le mien, sans avoir une préparation de très, très longues années derrière de spécialisation, à un moment où la recherche nous oblige à devenir des spécialistes de plus en plus pointus, parce que forcément, chaque année, il y a des connaissances nouvelles qui s'ajoutent au corpus établi. Et il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter. Il y en a une, c'est d'arriver avec une espèce de découverte d'un trésor, là, de découvrir la caverne d'Ali Baba. Ça arrive quelquefois, on est chanceux lorsque on tombe sur ces occasions. Pour Honoré Beaugrand, Honoré Beaugrand n'avait jamais encore été étudié. Donc, j'arrivais là, on pourrait dire, un pionnier pour essayer de refaire le parcours de sa vie, puis aller dans des fonds qui étaient désormais davantage disponibles avec la numérisation. Donc, la numérisation nous permet de consulter des fonds qui auraient été autrement assez difficiles à dépouiller aux États-Unis, au Mexique ou en Europe. Et puis, l'autre façon, l'autre stratégie, c'est de s'allier avec des gens qui sont meilleurs que soi, qui sont plus brillants que soi, plus compétents que soi. Et là-dessus, je dirais que ça a été spontanément, parce que sans doute que ça correspondait à certaines de mes aspirations, ça a été spontanément un des chemins que j'ai suivi. J'ai eu la chance, je pense, un de ceux qui a eu la chance de pouvoir travailler étroitement avec ses professeurs. Donc, j'ai publié un de mes livres avec Gilles Gagné, qui a été mon professeur, un autre avec Martin Meunier, qui était un professeur, André Fortin, qui était un professeur, Denis Delage, qui était un professeur. Donc, tous ces gens-là ont été mes professeurs. Nicole Rhin aussi, j'ai travaillé étroitement avec ma directrice de doctorat. Et donc, j'ai pu, avec eux, les accompagner dans ce qui était leur sujet de prédilection. Et c'est pourquoi j'ai abouti à m'intéresser à toutes sortes d'objets qui étaient spontanément, pas nécessairement sur mon radar. Parce qu'il faut bien comprendre, par exemple, avec Marie-Pierre Luneau, qui n'était pas ma professeure, mais qui est devenue une de mes mentors, nous, je n'avais pas, avant qu'elle m'aborde et me dise « Jean-Philippe, parce que tu es assez fou pour faire ça avec moi et étudier des romans d'amour », j'avais pensé à lire des Arlequins québécois. Ça ne m'avait pas venu spontanément de me dire je vais m'intéresser à ce qu'il était considéré pendant très longtemps comme une sous-littérature, une littérature tellement populaire d'ailleurs qu'elle ne fait pas partie du corpus établi, mais en plus qu'elle est souvent tellement méprisée qu'elle est refoulée par les lecteurs et les lectrices de ce genre de livre. Donc, c'est avec elle, en sa compagnie, puis toujours en sachant que c'est elle qui était la maître d'œuvre du projet qu'on menait ensemble, que j'ai pu arriver à faire des travaux. Moi, c'est avec Marie-Pierre, donc j'ai une admiration sans borne pour cette personne-là, mais c'est une chercheure exceptionnelle, puis... Je me trouve tellement privilégié et chanceux qu'elle ait pu un jour aller me voir et me dire « Tiens, Jean-Philippe, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse ça ensemble? » Et ça se passe comment, ces collaborations? Parce que tu as écrit 15 monographies, environ le tiers en co-écriture. Tu as aussi dirigé 14 collections, donc souvent avec des co-directeurs de collections. Bon, la co-direction, on comprend, tu lis, tu commentes, etc. Mais la co-écriture… C'est pas évident. Non? C'est pas évident. Est-ce que c'est différent d'un projet à l'autre? C'est toujours différent d'un projet à l'autre parce que les difficultés, les embûches, les défis changent. Des fois, c'est davantage des soucis théoriques, méthodologiques, d'analyse des statistiques. Il y a la question des entrevues. C'est très difficile de travailler. Quant à moi, en tout cas, c'est très difficile de travailler avec des entrevues qui ont été réalisées par d'autres. C'est peut-être à ma personnalité, mais j'ai l'impression que
j'apprends toujours plus lorsque je rencontre la personne que j'ai entrevue que lorsque je lis simplement les verbatims ou même lorsque je regarde les entrevues filmées. Il y a quelque chose qui, pour moi, se perd, une espèce de contact immatériel, non substantiel, mais très concret pour moi, lorsqu'on est face à face avec une personne qui témoigne de son expérience. Donc, effectivement, chaque fois, c'est différent. Alors, moi, je pense qu'il faut bien établir les responsabilités de chacun et de chacune. Ça, je pense que c'est la première étape. Il faut aussi savoir un peu qui mène le bal. Parce que on peut toujours croire qu'on est dans la bonne entente et l'unanimité, puis que les articles vont s'écrire sans que jamais on ait de chicane sur une virgule ou un mot. Mais il faut toujours se prévenir contre la possibilité que ça arrive et qu'on ait des embêtements parce qu'on ait des implantations peut-être légèrement divergentes, pas nécessairement incompatibles, mais divergentes par rapport à des faits qu'on tente d'interpréter. Et à ce moment-là, il est bon de savoir qui est la personne qui, en dernière instance, peut trancher. Et dans la plupart des collaborations que j'ai faites par le passé, il était clair que je n'étais pas celui qui menait le projet. C'était à peu près toujours la personne avec qui je travaillais, même si je faisais des fois plus, ça peut arriver peut-être que parfois j'ai fait plus de travail, mais ce n'est pas la quantité de travail qui importait. In fine, c'était l'autorité que la personne avait dans le projet scientifique. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument s'assurer dès le départ. Il faut savoir, par exemple, quel va être l'ordre, si on est une équipe de 5 ou 6, quel va être l'ordre des signatures. C'est une chose toute bête, mais la personne qui va décider de l'ordre de la signature, il faut que cette personne-là soit confirmée avant même de se lancer à l'eau. Et puis… Change en cours de route? Pas de mon expérience, mais les 25 ans que j'ai travaillé en collaboration, on savait toujours qui est la personne qui, à la fin du projet, va pouvoir établir l'ordre de priorité dans les signatures. Et c'était jamais négociable. C'était pas quelque chose qu'on pouvait justement changer en cours de route. En tout cas, selon le bon vouloir des personnes qui se croiraient frustrées ou pas reconnues dans leurs compétences. Et puis, la dernière chose qu'il faut, je pense, qui est primordiale, je trouve qu'on l'oublie parfois dans la recherche, c'est le plaisir de travailler ensemble. Je n'ai jamais voulu travailler dans une équipe où il n'y avait pas un bon climat de travail. Je préférais m'abstraire, je préférais m'abstenir de projets qui étaient emballants, qui étaient formidables, qui étaient vraiment des projets ambitieux, si j'avais l'impression, avant même de commencer, qu'il pourrait peut-être éventuellement avoir des frictions dans l'équipe. Donc, j'ai travaillé avec des gens avec qui j'ai eu un fun noir, un fun fou, des gens avec qui c'était toujours plaisant, non seulement de débattre de nos chantiers scientifiques, mais aussi de la vie, de la politique, du monde social, de la famille, etc. Donc, la complicité, on pourrait dire, sur un plan personnel, pour moi, était aussi importante que la complicité, on va dire, purement intellectuelle. Mm-hmm. Et donc, force de travailler sur à peu près tous les sujets d'intérêt au cours des 20 dernières années, on peut se poser la question, donc, à savoir, donc, quelle est ton approche méthodologique d'une part, mais aussi le regard que tu portes. Tu es sociologue de formation, tu as posé un regard sur la sociologie, aussi en contexte québécois particulièrement. Certains de tes ouvrages sont carrément des ouvrages d'historien et vraiment bien faits. On croirait un historien de formation. Comment orientes-tu donc ce regard-là et cette méthode de travail, à la fois pour tes monographies, donc, où tu es l'auteur unique, mais aussi celles où tu collabores? Oui, j'ai donné une année la conférence d'ouverture de l'Association d'histoire du Québec, puis je suis en ce moment invité à être co-éditeur de la revue d'histoire du Canada. Et donc, j'ai côtoyé de près plusieurs historiens et historiennes. J'ai aussi travaillé avec des anthropologues. J'étais directeur d'une revue d'anthropologie. En ce moment, j'ai un grand chantier de recherche avec Marie-Pierre Luneau, davantage en littérature. Je pense que la sociologie est bien positionnée par rapport à d'autres disciplines pour être interdisciplinaire. Bien entendu, il n'y a aucune discipline aujourd'hui qui peut échapper à l'obligation de comprendre, de connaître et d'explorer des disciplines qui lui sont connexes. Hein. Mais par la force des choses, l'entonnoir de la spécialisation fait en sorte que
on est davantage confiné qu'on l'était même par le passé, malgré toutes les déclarations autour de la multidisciplinarité, davantage par le passé, à connaître un sujet de recherche précis. La sociologie, elle, est davantage ouverte pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que sa capacité d'accumuler des connaissances probantes et de se positionner positivement par rapport aux acquis de la recherche peut être moindre par rapport à d'autres disciplines. Mais, en revanche, le bon côté, c'est que ça permet de s'ouvrir à beaucoup de choses. Quand je suis arrivé en sociologie, j'étais tiraillé, j'étais écartelé, je me disais, je pourrais aller en histoire, puis je pourrais aller en philosophie. Puis je me dis, ben, dans le fond, je pourrais aller en sociologie parce que ça me permettrait de faire les deux. Et ce n'est pas tout à fait bête, c'est un raisonnement un peu boiteux, mais quand même qui n'est pas tout à fait bête parce que j'ai pu pas mal faire les deux en m'apercevant au fur et à mesure où je progressais que j'étais plus à l'aise avec l'histoire qu'avec la philosophie. Mais aussi, j'ai vu que mes professeurs à l'époque, comme André Fortin, par exemple, André Fortin, travaillait avec des géographes, elle travaillait avec des urbanistes, elle a travaillé avec des architectes. Et donc, je voyais bien qu'un modèle, par exemple, comme André Fortin, c'était un modèle que je pouvais essayer d'imiter en faisant comme elle de la recherche interdisciplinaire à partir même de la sociologie. Donc, je pense que la sociologie est bien équipée pour ça. Par ailleurs, c'est une discipline qui a vécu sur le rêve, aujourd'hui passablement amochée, mais a vécu quand même sur le rêve d'être la reine des sciences. Pendant longtemps, on a cherché qu'elle était, oui, la reine des sciences. On a pensé pendant tout le Moyen Âge que c'était la métaphysique. La métaphysique, donc c'était celle qui recherchait les causes dernières. Donc, il y avait les causes premières, puis les causes dernières. Puis la métaphysique pouvait se situer au-dessus des autres savoirs pour les arbitrer, puis arriver à une connaissance idéalement absolu, bon, universel, aujourd'hui, ça nous fait bien rire, mais au moment de la transition entre la métaphysique et les sciences sociales telles qu'on les connaît, la sociologie a occupé un peu ce rôle. Elle l'a occupé autant dans le monde francophone que dans le monde anglophone, mais ça a perduré davantage dans le monde francophone que dans le monde anglophone pour des raisons qui sont historiques et culturelles. Et elle s'est présentée, donc, la sociologie comme la science qui était capable de surplomber les autres savoirs. Et cette volonté généraliste de la sociologie, bien, elle a survécu, je dirais, jusqu'à mes dernières années d'étudiant de doctorat. J'ai vécu la fin de cette utopie, mais elle n'était pas sans conséquence sur ma formation, parce qu'on a eu pendant, par exemple, longtemps, dans des universités, l'obligation pour les élèves de suivre au moins un cours de sociologie au baccalauréat. Mais on ne le faisait pas avec les autres disciplines, on le faisait avec la sociologie. Pourquoi? Parce qu'on se disait, bien, au moins la sociologie. À un moment donné, même dans les années 50, c'était une année complète en sociologie. Donc, on se disait, au moins, ils vont avoir cette base-là à partir duquel ils vont pouvoir construire leurs connaissances secondaires, dans le sens de après les connaissances premières. J'ai été habité, on pourrait dire, par cette visée généraliste. Évidemment, cette visée généraliste, elle n'est plus possible aujourd'hui. Quelqu'un va dire, c'est plus possible. En tout cas, c'est très difficile aujourd'hui, en sciences sociales, d'arriver à être à la hauteur de tout ce qui se produit. Je vais juste donner un exemple. Il y a de 3 à 5 millions d'articles scientifiques qui se publient dans le monde chaque année. Mais juste sur la plateforme Érudit, qui est une petite plateforme, surtout québécoise, puis surtout francophone, il y a plus de 6 000 articles qui sont publiés par année. Donc, c'est rendu colossal. Et cette idée qu'on pourrait être un esprit qui totaliserait l'ensemble des savoirs, bien ça, c'est évidemment une aspiration qui a vécu. Et donc, quand tu étais à Paris, j'imagine que c'était les grandes années de Bourdieu, c'était les grandes années des sociologues qui voyaient la sociologie comme un sport de combat pour évoquer le titre du documentaire. Il y avait dans cette idée d'une sociologie qui soit reine des sciences, il y avait une double, on pourrait dire un double positionnement. Il y avait d'abord le positionnement de recul, de distanciation. Il fallait voir par-delà le voile des mensonges, des idées préconçues, des préjugés, la sociologie verrait objectivement, scientifiquement, le réel pour ce qu'il est, en dégageant les lignes de force, les tendances lourdes qui sont invisibles pour le commun des mortels. Donc, la sociologie, par cette volonté de distanciation, elle était capable de faire en sorte d'adopter, par exemple, des politiques publiques éclairées ou au moins de développer une connaissance de la société qui était conforme à sa vraie nature. Et ça a pris toutes sortes de formes, et le marxisme, entre autres, qu'on appelait le marxisme scientifique des années 70, c'est une des formes que ça a pris, et ça a été très populaire dans le monde francophone. Et puis, de l'autre côté, il y a la volonté critique.
Et la volonté critique, bon, Bourdieu disait la sociologie est un sport de combat. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que c'est un système d'autodéfense. La société constamment te conditionne, te contraint, te positionne, t'aiguille, t'influence, te détermine jusqu'à un certain point. Et puis, ben, grâce à un regard critique, on est capable de voir non seulement au-delà des apparences, mais de voir aussi au-delà des rapports de pouvoir qui informent les institutions sociales et les valeurs communes. Donc, oui, j'ai tout à fait, ça m'attirait vers la sociologie, oui, cette idée-là, que la sociologie pourrait être à la fois une façon d'adopter un point de vue, bon, pas sérieux, mais en tout cas un point de vue détaché par rapport au réel, d'autant plus que moi, j'avais une relation un peu de proximité, de détachement par rapport à la société québécoise, parce que j'ai une mère palestinienne, un père d'origine écossaise, donc ça faisait en sorte que j'étais québécois, mais en même temps, je me posais des questions. Mais en même temps, je me disais, ce qui était important, c'est que la volonté critique de la sociologie, et là-dessus, je suis aussi Bourdieu que Bourdieu lui-même, la volonté critique de la sociologie, elle doit aussi être tournée vers les sciences sociales. J'acceptais pas que la distanciation qu'on avait, la visée critique que l'on avait comme praticien des sciences sociales ou praticien des sciences sociales, que ça soit toujours tourné vers l'ailleurs. Donc, on dit, on était critique des gouvernements, on était critique des grandes organisations, on était critique des médias, du système d'éducation, mais on ne s'intéresse jamais. Oui, mais la science sociale, elle, ces sciences sociales-là, est-ce qu'elles ne peuvent pas être aussi l'objet d'une même inquisition? Et j'ai dit, ben, pour mon doctorat, ça, c'est ça qui m'intéresse. Moi, pour mon doctorat, j'aimerais ça de savoir si on ne peut pas tourner les instruments de la sociologie comme sport de combat, les tourner vers la pratique de la sociologie elle-même, puis plus généralement, des sciences sociales, parce que pendant une longue partie de son histoire, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60, il y a une véritable confusion entre la sociologie et les autres domaines du savoir dans le monde social. On avait même des fois de la difficulté à détacher la sociologie du droit ou détacher la sociologie du journalisme. Donc, il y avait une porosité entre ces domaines. Étudier la sociologie jusqu'aux années 60, c'était pour beaucoup étudier à peu près l'ensemble des sciences sociales. D'accord. C'est intéressant parce que la dernière leçon de Bourdieu, bien sûr, au Collège de France… La première? Non, mais la dernière. À la dernière, okay. L'auto-analyse. À l'auto-analyse, donc, oui. Donc c'est mais la première, c'était la leçon sur la leçon. Voilà. Et j'étais étudiant à Paris, mais okay. Donc j'y suis allé. Donc tu me ramènes là aussi. Donc, quand tu rentres au Québec, donc tu as eu ces expériences-là, que devient ton objet d'étude? Donc tout d'abord, donc une réflexion critique, autocritique sur la sociologie elle-même, mais il me semble que tu t'es orienté aussi sur un sujet quand même assez pointu, qui est le Québec lui-même, la société québécoise elle-même. Comment on en arrive à ce constat et comment te positionnes-tu par rapport à ça? Bien, on était à un moment où on avait encore l'idée d'étudier le Québec comme société globale. C'est une idée un peu singulière, on pourrait dire même assez étrange, considérant que le Québec est tout sauf une société globale. D'abord, parce que le Québec fait partie d'un ensemble fédératif. Donc, en partant, ce n'est qu'une province parmi d'autres. Et ensuite de ça, parce que bon, son économie, évidemment, est imbriquée à l'intérieur d'un ensemble beaucoup plus vaste qui dépasse largement ses frontières. Culturellement, la société québécoise reçoit les influences de partout dans le monde. Puis on pourrait dire que la société québécoise, elle est métissée à la base parce que, bon, elle a ses institutions politiques de la Grande-Bretagne, elle a son American Life des États-Unis, elle a sa religion de Rome, elle a sa langue de la France. Donc, il y a évidemment les influences autochtones. Donc, en partant, la société québécoise, on pourrait dire, elle est tellement hétéroclite qu'on ne peut pas la penser comme une société globale. Et pourtant, c'est ce que c'est fait. Pourquoi? Parce qu'à travers le courant nationaliste, le courant des nationalistes, on pourrait dire, on a produit l'idée d'une nation. Donc, la nation est arrivée après, évidemment, les courants nationalistes. Ils ont produit des images de cette nation qui lui donnent consistance et cohérence à un niveau très général. Puis je me dis, ça, c'est intéressant. On pourrait pour essayer de voir comment ça s'est passé et comment cette prétention à former une société globale, d'abord, c'était des Canadiens français, d'abord, pour le 19e siècle, on parle, d'abord, en épousant la conception canadienne-française, puis ensuite de ça, avec la Révolution tranquille, en épousant la conception québécoise, comment on peut essayer de comprendre la structuration de cet univers. Et avec toutes les oublis, avec toutes à la limite, les mensonges, les fabrications, les mythes que ça génère. Et j'ai décidé de faire ça pour, d'abord, à travers mon doctorat, parce que
J'ai dit que j'ai étudié la sociologie pour mon doctorat ou l'histoire de la sociologie pour mon doctorat, mais je me suis très tôt aperçu que étudier la sociologie pour la sociologie pour mon doctorat, ce n'était pas très intéressant parce que la sociologie québécoise avait été absolument pauvre à tous les points de vue. Elle n'a pas produit de concepts percutants, elle n'a pas produit de théories novatrices, elle n'a même pas généré son lot de données statistiques que l'on pourrait aujourd'hui conserver puis sur lesquelles on pourrait revenir. De 1860 à 1960, la sociologie québécoise, elle survit à peine à l'intérêt des cadres institutionnels qui sont les siens. Mais elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle, quand même, a produit du discours. Dans la production de discours, bien, on peut l'analyser ça pour essayer de comprendre comment ça se modèle selon les contextes, selon l'époque, et surtout selon les intérêts des groupes. Alors, je me dis, ça c'est passionnant, ça, je pourrais faire ça. Puis j'ai poursuivi par la suite en essayant de comprendre justement le changement social, comment le changement social se négocie différemment selon les époques. Et puis, un des premiers livres que j'ai publié après mon doctorat, puis je pense que c'était pour moi une opportunité quand même de tester certaines de mes hypothèses, c'était celui sur l'arrivée du Père Noël au Québec, donc l'arrivée du Noël commercial au Québec. Je me dis, mais quand est-ce qu'on arrive avec un Père Noël au Québec? Et puis, ça se joue donc au tournant du 20e siècle. Et c'est très, très intéressant parce que la société québécoise, à l'époque, fêtait à la saison hivernale le jour de l'an, non pas le jour de Noël. Donc, la fête traditionnelle, c'était celle du jour de l'an. Puis, je me suis demandé, mais comment on a fait cette transition-là? Et pour arriver au Noël tel qu'on le connaît. Et là, c'est tellement révélateur de tellement de choses que c'est là où ça devient intéressant d'étudier une société comme le Québec. Parce que moi, je suis persuadé que étudier la société québécoise, c'est riche d'enseignements pour comprendre n'importe quelle société dans le monde. Il y a des anthropologues qui ont étudié des sociétés beaucoup plus réduites en nombre que la société québécoise, dont on lit les travaux aujourd'hui, puis qui nourrissent les plus grands débats que l'on a à l'échelle de la planète. Évidemment, modestement le Québec, oui, Lévi-Strauss étant un exemple, mais modestement, le Québec peut apporter sa contribution aussi. Et tu y as contribué de différents points d'entrée, différentes approches, à la fois historiques, à la fois bon, l'étude des révolutionnaires, les différentes pensées, le commerce, évidemment. Pourquoi on est passé donc de la bénédiction paternelle du jour de l'an? Et je ne sais pas si vous aviez ça chez vous, le chèque aussi, souvent, qui venait avec, vers un déplacement de Noël, finalement, nord-américain, une conception commercialisante nord-américaine. Mais tu es aussi allé voir, donc, du côté d'Honoré Beaugrand, par exemple, des moments liminaires, des moments de transition aussi de notre société. Donc, est-ce qu'il y a une certaine constante quand tu étudies ces différents moments, ces différentes manifestations culturelles, finalement, d'une société québécoise? Est-ce qu'il y a une constante dans ton objet d'étude ou dans ce que tu constates? Bien, d'un côté des objets d'étude, tous les objets d'étude sont géographiquement situés sur le territoire québécois ou ses annexes, parce qu'à l'époque du Canada français, on disait le foyer, c'était le Québec. C'est un débordement. Et évidemment, il y avait des débordements du côté, évidemment, de l'Ouest et du Sud. Mais donc, on peut dire que c'est toujours à l'intérieur du Québec. C'est pas mal toujours du 19e au 20e siècle, très peu au 21e siècle, très peu pour l'époque de la Nouvelle-France, quoi que je l'ai fait avec Denis Delage. Mais à chaque fois, c'est essayer de se saisir d'un sujet pour arriver à générer un propos qui est non seulement neuf sur le sujet lui-même, mais qui nous apprend aussi plus largement sur le devenir de la collectivité québécoise. Un exemple que je peux citer, c'est celui de Paul-Émile Bourdieu, parce que Paul-Émile Bourdieu, bon, c'est une figure un peu totémique du Québec. On dit que c'est celui qui est annonciateur de la Révolution tranquille puis de la modernité québécoise à travers la publication, entre autres, de refus global, mais on en fait une espèce de cavalier solitaire qui va être forcé à l'exil à cause que régnait ici au Québec la grande noirceur. Puis ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on regarde les archives, c'est que c'est plus complexe que l'on pense et que parmi les appuis que Paul-Émile Bourdieu a pu recevoir durant le moment où il explorait là, dans ses premiers pas l'automatisme puis la peinture non figurative, bien, cet appui-là, il l'a reçu de certains
de certaines figures religieuses. Alors, donc, la question, ça devient, c'est un peu une énigme. C'est comment est-ce qu'une personne qui est athée, ouvertement athée, une personne qui répudiait le cléricalisme, une personne qui a écrit un manifeste qui était quasiment un pamphlet contre la domination des élites conservatrices, comment une personne a pu être appuyée parmi ceux qui se revendiquaient le plus de la spiritualité chrétienne de l'époque. Et là, ça devient donc l'objet d'une exploration. Et puis, on peut arriver à non seulement comprendre les alliances de l'époque, mais aussi les alliances qui sont créées par complicité, puis les alliances qui sont créées par malentendu, parce qu'une bonne part de la reconnaissance dont va jouir Paul-Émile Bourdois auprès d'une frange des membres de l'Église catholique vient d'une volonté de plaquer sur lui des schémas d'analyse que lui-même ne reconnaît pas. Donc on voit bien que cette appropriation, on pourrait dire, du personnage se fait dans les années 50 et 60 et que par la suite, ben, il va y avoir d'autres formes d'appropriation. Donc, c'est ce cheminement tortueux, je dirais, de la collectivité québécoise qui m'intéresse. Oui. Et au fait, Bourdois, il suffit de lire les projections libérantes pour saisir la pleine nuance du personnage aussi. Bien, d'abord, tu vas me faire lancer sur Paul-Émile Bourdois, mais c'est un des plus grands intellectuels québécois du 20e siècle. Il n'y a aucun doute là-dessus. On le reconnaît pour sa peinture, à juste titre, mais je pense qu'on ne lui a pas encore donné sa pleine place pour ce qui est de sa pensée intellectuelle. Bien, ça sera un prochain projet de livre. Donc, Jean-Philippe, tu évoquais donc nos aspirations dans la société québécoise aussi, peut-être les fantasmes qu'on peut parfois développer, qu'on peut plaquer sur des figures historiques aussi. Selon ton regard de sociologue, mais aussi de citoyen, où est la société québécoise en ce moment et où va-t-elle? Puis, bon, je ne sais pas si on a envie de parler de politique, puisque l'élection est dans quelques jours, quelques semaines, mais je t'en prie, où sommes-nous? Où allons-nous? Bon, on peut parler pour très rapidement, hein, puis probablement trop grossièrement, puis sans avoir les nuances qui s'imposent, mais on pourrait dire qu'économiquement en ce moment, et puis même, on pourrait dire même presque socialement, la société québécoise occupe une position enviable. Le chômage n'a jamais été aussi bas. La dette du Québec par rapport au PIB est plus basse que celle de l'Ontario. Il y a une pénurie pour ce qui est des personnes qui peuvent occuper certains emplois spécialisés. Dans les tests internationaux, malgré tout ce qu'on dit, le Québec fait très bien pour ce qui est des élèves en mathématiques et en français. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que la société québécoise a incroyablement progressé de 1960 à nos jours. Il y a quelqu'un même récemment qui parlait de miracle québécois, c'est sans doute exagéré, mais très certainement, c'est assez inouï de le voir. C'est assez inouï, par exemple, de voir que le taux d'emploi des femmes est le troisième au monde. Si le Québec est un pays, bon, ce serait juste après la Suisse et la Suède. Je veux dire, alors que le taux était beaucoup plus bas, même que les autres provinces canadiennes au début des années 60. C'est quand même incroyable que le taux de diplomation des élèves québécois pour ce qui est du collégial et de l'université, donc ce qu'on appelle les institutions d'enseignement supérieur, soit désormais supérieur à celui de l'Ontario, alors qu'on arrivait de très, très loin derrière. Donc, sur toute une série de facteurs, la société québécoise, on va dire, se porte bien. Nonobstant, l'enjeu climatique concerne toutes les sociétés. Je dirais que le Québec a ici un problème supplémentaire du côté de, on va dire, des défis culturels, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, de l'idée de la reconnaissance de la pluralité québécoise. Et là, c'est là où les défis du Québec s'accumulent. Ça se traduit de plusieurs façons. Il y a certaines fractures, moi, que je n'aime pas voir. Par exemple, entre Montréal et le reste du Québec, on en parle souvent, ça devient quasiment caricatural, mais je crois que c'est un véritable danger. On ne peut pas avoir comme ça une société qui est coupée en deux, où la communication ne se fait plus d'un endroit jusqu'à l'autre. Il y a aussi une défense du fait français qui se ferait à l'exclusion de certains groupes et qui est
serait donc non seulement une que les autres groupes seraient non seulement une menace pour le français, mais que le français serait aussi une menace pour certains groupes de la société québécoise. De ce côté-là, je pense aussi qu'il y a un effort à faire. Et je pense que l'Université Concordia peut, à son niveau, jouer un rôle pour ça. J'ai toujours pensé que l'Université Concordia était formidablement bien outillée pour arriver à stimuler et alimenter la conversation collective autour des enjeux. Bon, j'ai pris l'adjectif de culturel, je ne sais pas comment dire ça, mais plus général, d'intégration sociale, de diversité, de pluralité. Pour ça, il faut absolument que les personnes de Concordia comprennent la place qu'ils doivent occuper dans l'espace public et qu'on puisse tranquillement, progressivement arriver à convaincre que la voix et les voix de la communauté universitaire de Concordia doit faire partie de la conversation collective. Et je le vois de plus en plus. Moi, je suis un optimiste. Je le vois de plus en plus. Il me semble que depuis 15 ans, 10 ans, on est capable à Concordia de se faire entendre comme on aurait dû pouvoir se faire entendre il y a déjà longtemps, et que les prises de position de l'ensemble de la collectivité de Concordia, donc c'est les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, les chercheuses, les professeurs, les chargés de cours, tout le monde ensemble, que cette grande, grande communauté-là qui est très diversifiée, elle est désormais l'oreille de plusieurs institutions qui autrefois étaient davantage indifférentes. Ouais. À force de publier des articles dans les revues, dans les journaux, à force de montrer nos expertises puis nos capacités pour l'organisation de différents événements, je pense qu'on va avoir la possibilité, à sa petite échelle, d'amener la société québécoise à progresser sur ces enjeux-là. Tu nous provoques, tu nous interpelles. C'est un appel à l'action. Bien, c'est un appel à l'action, mais c'est un appel à l'action. Oui, je dois juste donner un exemple. C'est anecdotique, mais je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais j'ai participé récemment à une présentation, d'ailleurs, très, très bien faite, sur la recherche à Concordia. On parlait beaucoup des réalisations des Concordiens et Concordiennes aux instances de subvention fédérale. Ouais. Puis je faisais rappeler, donc oui, ça c'est très bien, mais il faut regarder aussi les chiffres pour le provincial. Donc oui, c'est un appel à l'action, prendre sa place. Je pense que c'est important. On le fait de plus en plus, mais je pense qu'on peut le faire davantage. Donc, tu as donné quelques exemples. Des articles, écrire des éditoriaux, tu as édité une série d'articles aussi, je pense, à la presse. Peux-tu expliquer un peu comment ça se passe? Bien, à chaque année, j'ai été invité une première fois, mais maintenant, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils font appel à moi. Chaque année, ils ont un grand dossier spécial dans le temps de Noël et ils m'invitent à organiser le dossier. Et j'ai le souci, à chaque fois que j'organise le dossier, de pouvoir inviter des gens de Concordia qui ne sont peut-être pas aussi connus qu'ils devraient l'être, qui n'ont pas encore eu l'écho pour leur recherche, que je pense que ces recherches méritent. Et puis, arriver comme ça, tranquillement et progressivement, à faire en sorte qu'on puisse, intégrer, on pourrait dire, naturellement Concordia au débat public, de la manière qu'on le fait pour les autres universités québécoises. Concordia a vécu dans l'ombre, puis on dirait que non seulement a vécu dans l'ombre de McGill puis de l'UQAM, mais j'ai l'impression que quand moi je suis arrivé, donc il y a 20 ans, j'ai l'impression qu'on avait intégré cette idée qu'on était la petite université. Hein. Donc, on n'était pas aussi bon que les autres universités. Et puis, on avait des ambitions, donc ils devaient être forcément modestes. Et ça, tranquillement, c'est en train de changer, grâce justement au développement spectaculaire de Concordia à tous les niveaux. Et donc, c'est l'occasion pour moi, lorsque je publie ce dossier, de faire en sorte que chaque année, il y a des personnes nouvelles de Concordia qui reçoivent l'attention de quand même… la presse est quand même 1 demi-million à peu près de lecteurs et d'électrices, donc c'est un lectorat substantiel. Il y a 1 demi-million de personnes qui potentiellement ont accès à vos idées. C'est pas rien, mais je l'ai fait dans plein d'autres occasions. On travaillait récemment à la préparation d'une exposition permanente au Musée de la civilisation. C'est quand même 10 ans ou 20 ans d'exposition sur le Québec. Donc, c'est vraiment une exposition sur le Québec. Et j'ai insisté, vraiment, j'ai réussi à les convaincre. Ça vous prend, non seulement moi sur votre comité, mais ça vous prend aussi une autre personne de Concordia, je pense, qui serait excellente. Et à force de les travailler, on dit, oui, t'as raison, on devrait l'avoir avec nous. Donc, à chaque fois, c'est des petits pas. Mais je pense que c'est les petits pas qui sont gagnants.
Et c'est un excellent rappel. Merci du sociologue qui nous rappelle. Nous, professeurs, nous habitons dans une société plurielle, distincte soit, mais plurielle, où on a un rôle à jouer aussi. Bien, la science n'a pas de patrie, mais les scientifiques ont une patrie. Et à force de déserter la société qui paie nos salaires et nos recherches, il y a deux possibles conséquences fâcheuses. La première conséquence fâcheuse, c'est qu'on ne génère plus les données puis des connaissances sur la société qui soutient nos recherches. Et ça, c'est vrai, ça se mesure. On a des statistiques pour le montrer. L'internationalisation de la recherche fait en sorte qu'il y a une concentration de la recherche vers les métropoles scientifiques. Grosso modo, l'Angleterre et les États-Unis, au point où d'ailleurs, où ça aussi, ça se mesure, les articles qui portent sur les États-Unis puis l'Angleterre ont moins, dans leur titre, la mention qu'ils portent sur l'Angleterre ou les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il va sans dire, c'est universel, c'est ça. Donc, si vous travaillez sur le Canada, vous devez mentionner que c'est une recherche sur le Canada. Ça, c'est la première conséquence, donc, fâcheuse. Et on le sait, on le voit, que c'est quelque chose contre quoi on doit lutter. Mais l'autre danger, c'est d'avoir, je parlais tout à l'heure d'un dialogue qui se fait moins bien entre le Québec et Montréal, le reste du Québec et Montréal. Je pense aussi qu'il y a un danger qu'il y ait un dialogue brisé entre les instances universitaires, les instances de la recherche et les décideurs publics. Et ça, je pense que c'est très problématique parce que les décideurs publics, ce sont eux qui font les législations et normalement, on s'attendrait à ce que, passant des lois, adoptant des règlements, ils puissent le faire en étant éclairés par les avancées de la recherche scientifique. On souhaiterait que lorsqu'on décide sur, par exemple, la pandémie de COVID ou sur les nouvelles pédagogies en éducation ou sur l'intervention policière en milieu sensible, on espérerait que lorsqu'on prend ces décisions-là, on puisse s'appuyer sur des travaux qui ont des travaux réalisé par des chercheurs et des chercheuses. Or, lorsque le dialogue est rompu entre le monde de la recherche et le monde des décideurs publics, les mondes des décideurs publics prennent des chemins qui sont, on va dire, contestables, pour utiliser un terme poli, qui sont très contestables. Et on voit certaines sociétés où, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et donc, c'est important pour les chercheurs, je pense, d'être constamment à l'affût de la manière dont ces chercheurs et ces chercheuses peuvent intervenir dans les débats de société pour arriver à conserver ce lien, ce rapport, on va dire, quasiment de confiance, en tout cas de respect qui doit exister entre les deux sphères. Pour conclure, quel est ton prochain projet? Alors, je peux en parler. Oui, mais j'ai plusieurs projets sur ma table de travail, mais il y en a un qui me plaît beaucoup. Je vais publier prochainement mon tout premier coffee table book. Il y a plusieurs personnes à Concordia qui l'ont fait. Il y en a des très, très beaux. Je ne voudrais pas citer des gens dont je suis jaloux. Là, je vois leurs livres qui sont tellement bellement illustrés. Mais je me dis, ça serait bien si un jour je pouvais faire la même chose. Et avec Marie-Pierre Luneau, donc sur les romans d'amour, on est tombé sur une dalle d'illustrations fabuleuses, des pop fiction sentimentaux québécois des années 40 et 50. Donc, c'est la pop fiction avec des couvertures incroyables. Effectivement, magnifiquement belles, mais aussi soulevant plein de questions du côté du racisme, du sexisme, tout ce que vous voulez, mais qui dévoile un monde phénoménal, un monde qu'on connaît peu, le monde québécois des années 40 et 50, sinon sous le jour de la grande noirceur, donc un monde dominé par les élites conservatrices. Et là, ce qui se révèle, c'est le monde des fantasmes, parce que c'est le monde arlequin, on appelle le clinch en arlequin, là, cette couverture où la femme aux beaux cheveux embrasse son cavalier, et puis tout le glamour qui va avec. En même temps, beaucoup d'implicites moraux dans les couvertures et aussi dans les titres des couvertures, parce que, ça pourrait être, par exemple, « Dangereuse caresse », le titre de la couverture. Donc, on voit qu'accompagnant tout cet univers de désir et de volupté, il y a en même temps un péritexte qui balise ce à quoi peuvent rêver les femmes, surtout quelques hommes, mais c'est surtout une lecture pour les femmes à l'époque, les femmes des années 40 et 50 au Québec. C'est fascinant, on a hâte de lire ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Warren, de ta générosité typique, habituelle.
et tu nous emmenais beaucoup à réfléchir sur, sur l'objet d'étude, le Québec, mais aussi notre rôle, notre responsabilité aussi en tant que chercheur, en tant qu'étudiant. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Je crois que... est-ce qu'on a le temps de questions ou de commentaires ou est-ce qu'on conclut? Non? OK. donc, désolé, c'est terminé. OK, thank you so much for joining us for the final conversation today for Research and Conversation in the Faculty of Fine Arts. Not Fine Arts, sorry. Let's try that again. Arts and Science. We will be starting this up again for the final three conversations in this series on Friday at noon. So please join us in the space, fourth space, or on the Zoom. Thank you so much.